Pourquoi la candidate ivoirienne a été éliminée au premier tour? Marie-Emmanuelle Diamala, la première candidate ivoirienne à participer à Miss Univers, a marqué les esprits lors de cette 73e édition, même si elle n'a pas franchi la première étape du top 30. Parmi 97 candidates, 3 Africaines ont réussi à se hisser dans le top 30, dont celle du Nigeria, de l'Égypte et du Zimbabwe. Bien que la Côte d'Ivoire n'ait pas eu de finaliste cette année, Marie-Emmanuelle a su séduire par sa grâce, sa détermination et son engagement pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. C'est un moment historique pour le pays, avec une couverture sur la chaîne nationale ivoirienne. Bravo à notre ambassadrice pour son courage et sa passion, et à tous ceux qui soutiennent les femmes ivoiriennes dans leur quête de réussite sur la scène internationale. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires et encouragez nos futures candidates.